Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, on s'était quitté sur la réussite d'une mission secondaire et sur le meurtre d'un sanglier assez sauvage. Et il fallait que j'aille jeter un coup d'œil pour une mission secondaire, que j'aille nettoyer la zone. La zone du fort, donc ça me permettra la zone du fort qui est normalement en face de moi là-bas. C'est la première fois que j'utilise les tyroliennes, elles sont assez sympas. Bah, elles permettent de gagner toute la descente et la remontée quoi. Par contre, pourquoi j'ai un point jaune là-bas? Ça m'agace un petit peu, mais bon. Et c'est vrai que je me rappelais l'autre jour, j'avais cherché où j'avais cru voir le câble. Là, j'ai vu qu'il y avait un coup de pierre précieuse en dessous. Voilà. Un minerai d'orichalc. Voilà, on va aller vers le fort. Voilà, je fais juste un peu de chasse en même temps. Du coup, faut que je fasse quand même mes flèches. Ah bah je suis passé, ah bah oui, en grimpant de niveau j'ai plus de flèches. Hop, bon ça c'est chose faite. Y a pas un truc qui pourrait m'intéresser. Dévastateur, si ça pourrait être sympa. Possibilité d'employer des flèches spéciales. Hein? Tir dévastateur. Je garde un point, hein. On sait jamais. C'est un truc qui me vient à la tête. Peut-être ça pourrait être sympa. Je sais pas. Celui-ci, je m'en sers vraiment pas assez pour... Ouais, il y a du monde. Je les vois. On va se remettre sur la bonne quête. C'est pas l'antre du serpent grotesque. Terminer tous les objectifs de grotte. 6 sur 20. Ah, mais ça c'est un truc qui va se faire sur la durée, ça. C'est ça, hein? Oui. Comme il m'a fait peur, j'ai fait un petit bond sur ma chaise, je vous avouerai. Hop. Allez. On va reprendre Icaros, parce qu'apparemment il y en a qui m'avaient échappé. Voilà, il y a beaucoup de monde là-dedans. Il clignote un peu. Il y a quelque chose que j'ai dû manquer. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais bien améliorer, hop, déjà, un petit coup de sauvegarde, avant de dépenser mon point, parce que la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a craché mon... Mince. Ça m'a craché mon perce-bouclier, c'est ça. Bon, allez.
essayer de se la jouer discretos. Voilà. Hop. Ah mais maintenant je peux avoir deux armes. Je viens de voir ça. Oui. J'ai quoi en armes? Ça, assassin, 218, 284. Ah, pour l'instant, celle-ci, elle est pas mal. Même si je pense que je passerai là-dessus après. Plus 20% dégâts avec aptitude, coup de pied spartiate. Ah ouais, mais j'ai pas coupé spartiate. Mais plus 8% sur dégâts athéniens, c'est pas mal. Je récupère 16. Ouais, mais ça compense pas. Hein. Et 9% de dégâts derrière. Ouais. Après, on voit. Hein. Oui, hop. Ah non, elle vaut quand même plus ce coup, les dagues. Bon, on va essayer les dagues. Vous voyez qu'il y a des passages qu'on peut se faire avec les cordes là. Hop hop hop. Il y en a un qui m'avait échappé. Hop hop hop. On va se ramener là. On va le ramener ici. Il y a des trucs à voir. Il y a des trucs. Il y a des trucs qui m'ont échappé. Voilà, il y a des trucs qui m'avaient échappé. Là-haut, il y a un coffre. On va tous se piller dans l'ordre. Alors là, ça va être l'épisode du pillage. Et vous voyez, là, il y a une tyrolienne pour s'enfuir. Ah, j'avais cherché l'échelle, je l'avais pas trouvé. Voilà, donc faut bien penser à tout explorer. C'est bon, il n'y a plus rien. Ah si, il y en a encore un peu. J'aimerais bien me faire tous les gardes isolés en premier. C'est grave. Tiens, il y en a un qui a trouvé son camarade. Faut que j'aille le tuer avant. Par contre, j'ai pas vu venir, c'est ce qui m'embête.
Alors, est-ce qu'il y aurait... Je vais voir ce qu'il fait, lui. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à le tuer. Par contre, il me voit vachement mieux, je trouve. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que j'ai un truc qui s'est passé? Et on va se le faire en attaque. Allez, ramasse-le. Voilà. On va essayer de faire petit à petit. Ça va peut-être me prendre tout l'épisode. Mais on va se faire le coffre façon assassin. Voilà. Donc ça venait peut-être de comme ça. Hein. C'est peut-être comme ça que je me suis fait cramer là-bas. Hein. Le garde est peut-être monté par ici pendant que j'avais le dos tourné. Allez, mets-toi bien au bord. Ah bah, il y en a un qui arrive. Là aussi. C'est bien, il patrouille plutôt bien. Vous voyez que je peux pas rester tranquillement dans la zone à faire n'importe quoi. Ils finissent par venir. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je pense que si on étudie suffisamment longtemps, ils ont un parcours qui doit être bien fait. Et ils patrouillent tous la même zone. Et je vais me faire celui qui est là-bas, là. J'ai des points, je vais pouvoir lancer un assassinat. Est-ce qu'il y en a d'autres par là? Alors moi je suis là. Il y a un cavalier qui est arrivé. Bon, on va se faire le tour de la muraille. Ah non, il y a lui qui est en train de revenir. On peut pas être tranquille. On regroupe tous les corps au même endroit. Voilà, je sais, ça prend un peu de temps. Je suis désolé, mais pour faire ça proprement, il faut ce qu'il faut. Voilà, maintenant on va se faire celui-ci. Voilà. Bon, à un moment donné, je vous rassure, il y en a bien qui va réussir à me cramer, c'est obligé. Il y a quoi là-dedans? Les voilà. Ils ne sont pas tout propres, mais le sang n'a pas terni l'éclat des saphirs. Allez, hop, grimpe, grimpe, grimpe.
Pourquoi tu grimpes pas? Allez, grimpe. Grimpe. Oh, qui est bête. Allez, grimpe. Allez, hop. Voilà, on en profite pour piquer des drachmes. Histoire de pas avoir fait tout ça pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Et le garde d'élite qui se baladait par là-bas, il est passé où? Il y a combien de tuer les capitaines 2, le poémarque. Capitaine, capitaine, c'est lequel? C'est lui le poémarque. Ouais, c'est lui le poémarque. Des capitaines, il y en a un peu partout. Ah, je suis sûr que je pourrais faire quelque chose en libérant les ours. Je peux pas sauvegarder dedans. Non. Parce que je suis sûr que là, si je tire sur la... le truc de l'ours, là, il va semer la panique. Ça se tente. Regardez. Hop. On laisse l'ours s'occuper d'eux. Nous, on vient piquer. Le stracon anime. On pille tout. Ils sont mis en état d'alerte pour un ours. Maintenant, si ça oblige le polémarque à venir vers moi, ça me gêne pas. Hein. Merde, il va patrouiller vers où l'endroit où il y a le corps là. Non, c'est pas le polémarque. Le polémarque, c'est celui qui est là-bas. Ah, lui, il a trouvé le corps. Il n'a pas pu aller loin. Il charge de le... Ah, ça va pas mal les dagues. J'essaie de brûler. Ouais. Qui j'ai tué? Non. J'ai tué un capitaine. Pour les marques, ça doit être... celui qui se balade là-bas à droite. J'hésite à le finir ce fort maintenant que j'ai commencé. Là-bas il est tout seul. Est-ce qu'il va venir vers moi, lui? Ouais, il vient. Faut que je fasse gaffe aux deux autres là-bas. Et on va se le faire. Voilà.
Lui là-bas, il m'a pas vu. Les deux là-bas, ils peuvent être une menace. Voilà. Ok. La partie infiltration se passe plutôt bien pour l'instant. Il reste combien de gardes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, éventuellement 7. On va se planquer. Je garde un petit œil sur tout ce qui se passe autour. Voilà. On essaie de pas laisser trop les corps en évidence par ici. Là-bas, il y en a pourtant pas mal. Ça va, c'est pas la zone où ils sont. Quoique là, je devrais pouvoir me les faire maintenant. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment tous faire en mode fufu. On va essayer de se finir le fort tranquillement. Ah merde, y'en a un qui va les trouver là-bas. Hop. Ouais, là-bas y'en a un. Voilà. Hop là. Ça c'est joué à pas grand chose. On va laisser passer. Je pense que les deux viennent. Voilà, on va laisser passer le premier, le deuxième. Après, il restera un capitaine, le polémarque. Faut me le dire si vous aimez pas la phase d'infiltration. Parce que moi, j'aime bien. Hop. Voilà, hop, ça enchaîne les attaques rapides. Allez, nouvelle attaque surpuissante.
Pas sûr qu'ils sont puissantes. Voilà. Bataille de conquête disponible. Alors, on va quand même le saboter au cas où. Ça, c'est pour le principe qu'on sabote. Vous voyez, là-bas, il y a un garde qui a découvert qu'il se passait quelque chose. Ah bah, le capitaine. Ça à voler. Allez, on va faire le tour. Bon, maintenant que le fort est pris, allez, on va se servir. L'air de rien, c'est un moyen facile de se faire de l'argent. Et 4 grammes, 4 par 4 ou 3 par 3. À la fin, ça me fait quand même une petite fortune qui rentre. Ça, ça va, ça a été fait. Il m'en reste un petit peu à récupérer. Un brassard. Hop. Un peu de pièces. Donc voilà, je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait des animaux dans les formes. En fait, c'est pour nous aider à semer la zizanie. J'entends parler, il parle tout seul, le garde. C'est pas mal ces dots de feu. J'aurais peut-être dû y mettre plus tôt, ça m'aurait sûrement simplifié la tâche sur bien des missions. Bon, par contre, c'est sûr que niveau RP, le jeu prend une claque, hein, mais bon. En même temps, je joue pas un Assassin's Creed pour ses véracités historiques, sinon ça se saurait. Par contre, c'est vrai que le contexte historique est sympa de la Grèce, mais. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Un râtelier d'armes. Oh, beau collier. J'ai vu un truc qui brillait, là. Ouais, ouais, moi, tout ce qui brille, je vole. Du pain. Ok, il y en a encore là. Il y en a à l'étage. Voilà.
Je devrais peut-être vous le passer d'ailleurs, ce genre de choses de pillage. Je suis pas sûr que ça vous intéresse grandement. Ah, mais c'est là qu'il y avait... Non, je dois confondre. Enfin, allez, on va aller rendre cette quête. Oh, tu veux pas passer par... Ouais, des fois... Des fois, c'est casse-bonbon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, il y avait une porte pour entrer dans le fort de ce côté. C'est pourquoi pas. Hop. Donc le fort a été pillé. J'ai trouvé l'Osracon énigme. Maintenant... Ok. Alors, si je veux récupérer la quête d'XP qu'il y a à ce lieu, faut que je fasse maintenant, parce qu'après, ce sera Sparte. Bon, il est niveau 11. Allez, on va le tuer. Ça conclura l'épisode, et puis après, on ira rendre des quêtes. Ce sera pas trop mal. Du coup, je me TP ou je me TP pas? Je vais pas me TP, ça sert à rien. Hop, par contre, on va le désigner sur la carte. Allez, il est vers où? Hop, il est par là. Oh, un ours. Oh. Ok, tu veux te battre? Oh, un bon coup de patte. Allez, t'as brûlé. Cuir souple. C'est pas vous que je veux, c'est mon cheval. Pourquoi il s'enfuit? Reviens par là, reviens par là. Allez. Il me semblait bien que j'avais entendu un ours grogner, mais je pensais que je pourrais lui échapper. Un grand mal m'en a pris. Ah, j'ai cru qu'il se rapprochait. Donc c'est là que j'ai tué les premiers adeptes du culte, je crois. Ouais, quoique lui, ça pourrait avoir le coup de le recruter. Hein. Il est violet. Alors, faut pas que j'enflamme. On va aller dans les aptitudes. On va enlever ça, on va reprendre ça. Hop. Voilà, on va voir si... Est-ce que je l'assassine en fourbe? Est-ce que ça lui enlève tous ses points de vie ou pas? Donc il n'a plus de garde du corps. Est-ce que ça pourrait être cool d'avoir un roi en... Ah merde! Ah bah je pensais pas que... Ah. Je suis tristesse, là. Je vous avouerai que je pensais pas que ça le tuerait d'un coup. En même temps, c'est vrai qu'on a... Ah ouais, il était niveau 11. On a 4 niveaux d'écart, quand même. Est-ce que je peux remettre mon feu ?
Bah j'ai pas réussi à sauver le gars, mais il va brûler avant qu'il vienne sur moi, je pense. Non. Meurtre dans la tête. Dix cuirs souples. Bon, bah le cuir, ça se récupère assez facilement. Ok, ça c'est chose faite. Ça c'est juste pour le fun. Hop. On va se téléporter. J'avais sauvegardé ou pas tout à l'heure. Parce que je vous avouerai que j'aimerais bien recharger. Ah non, ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. Hop. Je crois que j'aurais. Je suis con, j'aurais pu faire une recharge. Essayer de le recruter. Ah c'est pas grave. C'est pas grave. Il est mort, il est mort. De toute façon, à terme, j'essaierai d'avoir que du légendaire sur mon navire. Ouais, ça, d'accord. Donc, je vais sur la carte. J'ai quand même pas mal de ressources, sert de rien. Où c'est qu'il faut la rendre? Ah oui, puis il y a la fameuse bataille à faire, les filles d'Artémis à faire. Oh, ça va en faire. Alors. On a 36 minutes pour l'épisode. Elle est où à rendre? Elle est là. Arrêtez de mettre des photos. Supprimer. Oui. Mettez pas des photos en plein sur les points. Là. Bon, c'est bien, ça nous permet de les voir, mais ça fait chier quand on cherche à se TP, quoi. Bon, enfin, même si ça fait une jolie vue. Et pour ceux qui se posent la question, ce que j'ai comme config et pourquoi je veux changer de PC, je sais pas si c'est en début de sa vidéo ou au début de la précédente, mais bon, ça va meubler un petit peu. J'ai un SLI en GTX 780. Et du coup, ouais, ça commence à dater un petit peu. Bah, le PC a quand même quelques années. Il y a quoi à faire en contrebas, là? Ça, en général, c'est signe d'une mission, ça. Alors, voilà la salle secrète. Ah, la ok. N'est pas leur fort. D'accord. Oui, avec des serpents et tout. Ouais. Donc vous voyez, je joue à ce jeu pas comme on jouerait un Assassin's Creed, hein. Je joue vraiment comme on joue un RPG. T'auras peut-être des armes à me donner, toi, non? Bonne nouvelle. Je veux pas d'argent, mais tu peux me donner des armes. Quand tu vois la tête des saphirs que je te rends. Les prêtres ne font pas de bons voleurs. Ah, tu as dit que tu le ferais pour rien. Et je sais que tu ne cracheras pas sur une récompense. Prends ça. Quérez, vieil homme. Voilà une babiole provenant du trésor. Elle ne manquera à personne. Oh, en plus, il me donne un... Espérons. Sinon, tu enverras un autre mercenaire à Métros. Au revoir, Photios. Et si tu revois ce chien de Marcos, pense à lui parler d'un tarif minimal. Elle était sympa, cette petite quête secondaire. Là, je me trompe toujours de touche. Bah, du coup... Ça, non. Plus 8% de dégâts par aptitude surpuissance. Par aptitude surpuissance. Donc là, je perdrai en dégâts guerrier, vous voyez, mais je gagnerai en dégâts chasseur. Si je mets le plastron là, je gagne en dégâts assassin et en dégâts d'armure, mais je perds un petit peu en guerrier. Vous voyez toutes les stats hein, qui s'affichent en bas. Ouais, il n'est pas si mal que ça pour un placement ordinaire. Quand vous voyez, plus 305, là, ça fait 356. Et la perte est pas si grosse par rapport au reste. Non, mais l'air de rien, il y a des bonnes... Là, niveau assassin, ce serait kiff-kiff. Par contre, je gagnerais en guerrier. Non, mais elle est vraiment vilaine. Non, je garde. Il faudrait peut-être que je fasse évoluer mon stuff, d'ailleurs. Non. Massue en os. Pour. Ah, j'ai eu peur d'avoir effacé mes dagues. Ok. Ça, je peux dégager. Ça, je peux dégager. Ça, c'était mon ancienne arme. Au niveau des arcs, qu'est-ce que j'ai looté? Oh,
15. Voilà, ça vaut le coup de regarder de temps en temps son stuff. Donc là, j'ai rien de nouveau. Ok, ok, ok. Bon, bah ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là-dessus. On a 40 minutes de vidéo. Et puis, on se retrouve au prochain épisode pour la reprise de la quête principale. Quoi qu'avant, je vais voir ce qu'il y a comme mission. Oh, là, ça rapporte offre inférieure à la demande. Ah ouais, mais non. Ça, pourquoi pas. Elle est pas limitée dans le temps, donc oui. Des bandits sans fou ont injurié des prêtresses qui se rendaient au temple. Ça rapporterait pas mal d'argent, donc vous voyez, si je veux de l'argent, je sais comment l'obtenir. Sauf Andrea, âme de suie, qui s'est servi de moi sans jamais m'aimer. Ma seule vengeance est que son sang soit versé. Pourquoi pas. Ah mince, celle-ci, elle est limitée dans le temps. Ok. Prime sur soldat athénien. On offre une prime pour le soldat athénien qui s'est enivré de 20 sanctuaires. Mouais. Ce serait encore sur n'importe quel... ce serait encore n'importe lequel. Ce serait tuer des soldats athéniens, ça aurait valu le coup, mais... Non, on va quand même regarder voir où elle est cette quête. C'est laquelle? C'est quoi ça, l'énigme du cancre? Ah, c'est les secrets de la Grèce. Prince of Persia. Prime sur mercenaire. A chaque fois, j'oublie de me mettre sur la carte. Allez, bah vous savez quoi? Vous avez gagné... Je peux me TP par là-bas ou pas? Bah voilà, vous avez gagné 5 minutes de vidéo en plus, le temps d'aller voir ce mercenaire. Puis j'en profiterai pour aller voir, voir le lieu là-bas. Allez. Par contre, je sais pas ce que c'est que ce point là qui est apparu. Faudrait peut-être que j'aille jeter un coup d'œil, un de ces quatre. Il va y avoir quelque chose là-bas. Mais quoi, je ne sais pas. Quelqu'un a tué peut-être. Enfin bon. J'essaie de voir en même temps si je vois ce qu'il peut y avoir. Mais c'est pas là-bas que j'ai tué le... le dirigeant. Si, bon, on va aller jeter un coup d'œil. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, donc je vais aller voir ce qui reste sur moi. Je suis dé comme ça. Puis après, je vais aller me faire la mercenaire. Quoique ça pourrait être un bon début de vidéo. Allez, tuer une mercenaire. Enfin bon, j'aurais pas perdu beaucoup de temps. Hop hop hop. Hop hop hop. Oula, toi tu me cherches. Mais ceux qui s'y mettent en plus. Hop, hop. Ouais, je vais me faire cette chèvre là. Ça m'embête de la voir. Vas-y, au pas, au pas. Voilà. Comme ça, elle est tuée. Oh tiens, il y avait un ours. On peut le looter. Opa. Bon, bah au moins, c'est du gratuit.
Allez, maintenant, allons voir ce mercenaire. On va suivre la route. Pareil, il y a du loot ou pas? Non. Allez. Bon. Ouais, vous aurez peut-être gagné 5 minutes de vidéo. Ou je sais pas, je me tâte. Je vous avoue que là, je suis encore en train de me tâter, voir si je vais pas vous faire ça au prochain épisode. Bon, vous avez bien mérité. Après tout, je me suis fait le fort qui a pris 20 minutes, 25 minutes de vidéo. Je peux bien vous offrir ça. Allez, Ukoko. Là, il y a un mort. Ah, mais c'est ceux qui ont été tués par le sanglier, ça. Ouais, il y a un ours pas loin. J'ai réussi à lui échapper, on dirait. Dans le fort athénien à tous les coups. Toi t'es quoi? Si je mets la main sur toi. Allez, il faut que j'enlève le bouclier et je mette les dots. Allez, brûle maintenant. Allez, viens mon petit. Fils de sirène. Jusqu'à la mort. Casque de guerrier perse indicatif. Nouveau mercenaire découvert. Attendez. J'ai eu un indice sur quoi? Indice relatif à un mercenaire. Ok, j'en ai deux. Non, il était vraiment bon. Et là, celle que je traque, c'est elle. Faudrait, ça m'intéresse pas, faudrait que j'ai lui. Faudrait que je... Et je l'avais pas eu avec moi, lui, déjà. Je suis échelon, il a, ça me fait réduction de 20%. Augmenter de 20%, forgeron 20%. Ok, bah ma foi, on verra bien. Il me semble que sur console, ça a été amélioré, ça. Hop. Du coup, moi, la personne que je cherche, elle est où? Non mais... Ok. Elle se barre en plus. Oh bah tant pis. Hein. Diantre. Bon bah ce que je vous propose c'est qu'on se quitte là-dessus. Moi je vais aller valider mon point d'observation. C'est pas grave. Je vous avais promis un mercenaire. Vous l'aurez eu. Même si c'était pas celle que à laquelle je pensais. Mais bon. Hop. Là il doit y avoir un point là-haut sur la colline. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu.
Et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou les amis. Ouais, attendez, je vais vous valider quand même la vision avec vous. Hop. Il est où pour... Ah, côté, excusez-moi. Allez, synchronise-toi mon petit. D'ailleurs, est-ce que vous faites souvent les quêtes comme ça, qui sont à durée limitée dans le temps ou pas? Parce que, du coup, moi j'essaie d'en faire une fois de temps en temps. C'est vrai que ça permet de gagner de l'argent et d'XP assez facilement. Bon, on manque pas vraiment d'argent ni d'XP, mais bon. Allez, ciao ciao les amis, à très bientôt.